Laurent de Poitre, tu as vu un match assez intéressant, on peut dire. Oui, intéressant. Il y a eu des buts, beaucoup d'actions, même en dehors du terrain aussi. Et non, ça me fait vraiment du bien de revenir ici, de retrouver un peu toute cette ambiance, ces supporters. Puis j'ai assisté à un beau match, donc c'était sympa. La Belgique vous manque ? Bon, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, tout, j'ai ma famille, mes amis, tout le monde ici qui... Et moi, je suis au Portugal, un peu éloigné de tout le monde, donc ça fait du bien de, quand je reviens, quand je peux revenir en Belgique. Comment tu te sens à FC Porto maintenant ? T'as eu un but décisif aussi ? Bah oui, bah c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que j'ai eu des moments un peu plus difficiles. Et voilà, maintenant, j'espère que ce but me permettra de, voilà, de reprendre confiance et peut-être continuer sur cette lancée. T'es parti maintenant ? Je sais pas, mais j'espère que ça me permettra d'avoir plus de temps de jeu et de montrer de quoi je suis capable. Il y avait beaucoup de rumeurs, une offre d'Anderlecht est arrivée à Porto. Qu'est-ce que vous en pensez et si c'est une possibilité pour vous ? Moi, j'étais pas au courant. J'ai vu ça dans le journal comme tout le monde, mais voilà, j'ai pas pensé à ça. Moi, je suis à Porto et voilà, je veux essayer de réussir à Porto et on verra plus tard l'évolution. Mais si Anderlecht vient à l'été, tu dis non, tu dis oui, tu dis... T'es pas sûr ? Je sais pas. Je sais pas maintenant, j'ai pas réfléchi à tout ça encore, donc... Je sais pas quoi vous dire. Ok, merci. Amusez-vous ici. Ça va.